À vous, avec de plus en plus de délinquants chez les seniors, on vous souhaite une bonne note. On va vous l'attribuer, cette note, tout de suite à la fin du sketch. À vous, Florent Père. Papy, mamie, asseyez-vous. Ça peut plus durer. Non, papy, ne fais pas celui qui arrive pas à s'asseoir. Je t'ai vu danser la tectonique toute l'après-midi au thé dansant. Donc c'est pas la peine de... Et mamie, 80 ans, mamie. Ben, on s'habille plus comme ça, 80 ans. Ben, ton t-shirt, là, il est beaucoup trop court, enfin. Puis qu'est-ce que c'est ces deux bijoux qui dépassent, là? Il faut que tu mettes un soutien-gorge, mamie. Il faut que tu mettes un soutien-gorge. Mais ils sont où, mes grands-parents, qui me faisaient des crêpes le dimanche? Franchement, on va où, là, hein? Bon, écoutez. Je sais qu'il faut que vieillesse se passe, hein. Mais là, ça ne peut plus durer, vous comprenez? Mais je vais pas pouvoir vous couvrir comme ça pendant des mois. Je suis devenu la risée du commissariat, moi. Tous les collègues se foutent de moi, ils ont compris que je vous couvre, vous comprenez? C'est qu'ils ont compris. Écoutez, que je vienne vous chercher en cellule de dégrisement. Pourquoi pas, hein? Mais que le lendemain, vous voliez ma voiture pour aller vous ravitailler à Amsterdam, c'est pas possible, ça, vous comprenez? C'est pas possible, on peut pas faire ça. En plus, vous vous êtes fait flasher sur la route. Non, papy, n'essaye pas de me gratter des points sur mon permis, j'en ai plus. Je les ai tous donnés. C'est l'inverse d'habitude, tu comprends, papy, c'est l'inverse, c'est pas possible, ça. Hein. On va aller jusqu'où? Comme ça, on va droit dans le mur, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et l'attaque à la voiture Bélier de la semaine dernière. On sait que c'est vous. Mais si, on sait que c'est vous. Mais parce que personne n'attaque une boutique d'Amar à la voiture Bélier, personne. En plus, vous l'avez fait avec ma voiture, hein. Et vous m'avez laissé ce gentil mot, qui est très gentil au demeurant, hein. Sur le, comme ça, sur le tableau de bord. Merci mon chéri pour ta voiture, ton papy et ta mamie qui t'aiment. Mais si, ça m'a fait plaisir, c'est très gentil, mais dans le métier, c'est ce qu'on appelle une pièce à conviction, ça, vous comprenez? Mais oui, vous rigolez, mais on va... Pff, je sais... Et le braquage de la poste? C'est vous? Si, c'est vous, on le sait que... Ben, vous en souvenez plus, mais c'est vous. Merci. Bien sûr. Mamie, tu as fait coucou à la caméra de surveillance, on t'a vu. D'ailleurs, mamie, quand on fait un braquage, mamie, on rentre et on dit « Oh les mains, c'est un hold-up ». Pas « Oh les mains, c'est un hot-dog », sinon ça ne veut rien dire. Tu braques une charcuterie si tu veux, mais ça n'a pas de sens, tu comprends? Et puis les gangsters, ils se mettent des bancs en soie sur la tête. Pas des bas de contention, sinon ça ne sert à rien. Tu comprends? Mais tu y voyais rien, t'as braqué papy, du coup, donc bon. Oui, je sais, mais enfin... D'ailleurs, papy, quand mamie dit « videz vos poches », ça s'adressait pas à toi? Oui, c'est rigolo, c'est pas très rigolo, moi c'est la banque qui est pas contente. On va aller jusqu'où, comme ça, ça commence à bien... Je veux dire, si vous continuez, moi je vais prendre des mesures et ça va très mal, Sophie. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais vous êtes des malades ou quoi? Mais on prend pas son petit-fils en otage, enfin. Mais surtout quand il est flic, on est en plein milieu du commissariat. Ça va trop loin, là, je vous le dis de suite. On va... Oui, j'appelle mon chef, mais enfin... Oui. Allô, chef? Oui, c'est l'officier père, là. Je vous appelle pour vous prévenir d'une prise d'otage. Dans mon bureau. C'est moi, ouais. Par mes grands-parents, voilà. Oui, je sais, c'était à prévoir, mais enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous... Mais bien sûr, ils sont là en face de moi, oui, oui. Mais ils sont armés, bien sûr, ma grand-mère tient une poire à lavement, alors c'est vous dire que je suis en danger. Mais bien sûr qu'elle est chargée, évidemment. Oui, ben, je leur demande. Bon, quelles sont vos revendications? Ils veulent que vous doubliez leur retraite. 800 euros. Et ils veulent une voiture. Ils veulent une 4L, voilà. Avec des vertex originales dans la boîte à gants. Et du stéradan dans le vide-poche. Ah non, mais ils ont des revendications, les mecs. Hein. Et ils veulent parler au président de la République. Non, le général de Gaulle. Ouais. Ça risque d'être un peu long. Hein. Bon, ils disent qu'ils ont le temps. Ouais, je vous tiens. Et ils veulent du Poppers. Non, ils veulent des Pampers, pardon. Oui, oui, je vous...
Je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant. Bon, écoutez, vous allez continuer vos conneries jusqu'à quand, les anciens, là? Hein? Au début, vous étiez deux, ça allait, maintenant, c'est des bandes entières qui gangrènent le quartier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Y a pas un jour où j'ouvre pas le journal, y a pas écrit un vieux encore volé le sac d'une jeune. Ah, je l'ai écrite à l'instant, maintenant, c'est Jean et Laurent qui me l'ont écrite. On fait ce qu'on veut. On va aller jusqu'où? Vous allez droit dans le mur, il faut que vous battiez en retraite à un moment, hein. Je vous le dis de suite, hein. On va. Mais je sais pas, vous avez été d'honnête travailleur toute votre vie, vous devenez délinquant à l'âge de la retraite, pourquoi vous faites ça? Question de dignité? Vous préférez voler plutôt que de quémander? Vous êtes devenu de vrais gangsters, moi. Bon, écoutez, moi non plus, je vais pas avoir de retraite. J'ai une petite sortie par derrière, on se barre tous les trois, on se fait un braquage et on se barre au soleil. Doucement. Mamie, tu fais gaffe avec ta prothèse, là, ça grince. Voilà. Voici Florent Père et les 60 ans du Crazy Feta Music Club. Vous m'auriez vu en 1951. Quelle jolie jeune fille j'étais. Maintenant, évidemment, on est en 2011, alors bon, j'ai fêté mes 80 ans cet été, alors je suis un peu tapé, comme on dit. D'ailleurs, s'il n'y a pas un jeune homme de plus de 60 ans qui vient me relever, ben, je vais rester assise pendant tout le sketch. Oh, il est sympa, ce petit jeune homme. Oh, il se passe quelque chose. Oh. Relevez-vous, madame. J'ai des problèmes de hanche, moi aussi. Oh. Ah, bah dis donc, viens là. Bonjour. On est mignon, tous les deux. Oh. Oh, non. Vous m'auriez vu à la naissance du Crazy Horse, la 12 avenue Georges V, lorsque Monsieur Bernardin m'a découvert. Bernardin, c'était le taulier. J'habitais une petite chambre de bonne, juste au-dessus. Un matin, je prends ma douche, je m'endors. Je sais pas pourquoi. Si, c'est pourquoi à l'époque, on graissait bien le toboggan, vous voyez ce que je veux dire. Bon, je m'endors. Le plancher commence à s'imbiber. Comme ça, on était deux. Dégâts des eaux, crac. Je descends d'un étage, me voilà en dessous sur une chaise entièrement nue avec l'eau qui ruisselle sur ma fraise. D'un coup, pan, la serpillière qui me tombe sur la tête. C'est là que Monsieur Bernardin, en voyant ce corps de sirène habillé de perles de pluie et de lumière, a eu la révélation. Le Crazy Horse s'était né. D'ailleurs, j'ai une photo de ce souvenir impérissable. Il me doit tout, 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 tout. Si j'étais pas tombé ce jour-là, le Crazy Horse serait une boucherie chevaline. Monsieur Bernardin m'a regardé, il m'a dit « Quitte à faire de la saucisse, autant les mettre en scène. » J'avais les mensurations de la saucisse parfaite. 1m70, 90, 60, 90 et un 42. 60 ans de Crazy Horse, j'en ai des souvenirs à vous raconter, si vous savez ce que j'ai vécu. C'est moi qui ai créé le plus beau numéro du Crazy Horse. Celui pour lequel les gens venaient des quatre coins du monde. Sydney, Mexico, New York, Tourcoing, ils venaient de partout, partout, partout. Et ce numéro, c'est le tourniquet aquatique. C'est moi qui l'ai inventé. Et comme c'est l'anniversaire du Crazy Horse, je vais vous le danser. Oh.
C'est n'importe quoi. C'est avec ce numéro que le Crazy Horse a fait toute sa renommée. Évidemment, évidemment. Mais je ne peux pas parler du Crazy Horse sans parler de toutes mes copines, bien sûr, au nom tellement évocateur. Vous, vous connaissez tous Love Amour, évidemment. Mais il y en a plein d'autres avec des noms évocateurs qui font penser aux États-Unis, aux strass, au glamour, à la paillette. Je tiens à préciser que les noms que je vais citer là sont les noms des vrais danseurs, je n'ai rien inventé. Le glamour pour Starly Culbuto. Carole Mezzanine, Kiki Zanzibar, Capsule à Popo. Oh. Mais c'est vrai, c'est les vrais. Bien sûr, c'est vrai. Le glamour, le glamour, le glamour. Il faut dire que c'était Monsieur Bernardin lui-même qui choisissait les noms. Et il faut dire qu'à l'époque, la drogue était en vente libre, évidemment. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ses amis avec qui je suis encore en contact, hein, des belles danseuses comme Trucula Bonbon, qui est devenue diabétique, on est bien désolé pour elle. Blanca Sunday, qui travaille au McDo, évidemment. On a aussi Flippy Canicule, qui n'a pas résisté à l'été 2003. Et puis moi, un nom à l'américaine, Justin. Justin Rustin. Parce que je suis increvable. Bien sûr. Oh. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que c'est les 60 ans du Crazy Horse. C'est leur anniversaire. Alors je vais leur offrir un dernier numéro. Et je voudrais danser sur vos voix. Vous allez leur chanter Happy Birthday Crazy Horse. Attention, 3, 4. Happy Birthday. Je fais la chute de mon sketch. Ah. Je te laisse mon numéro, on s'appelle après. Je ne veux plus que maman m'accompagne à l'école. C'est le dernier sketch pour ce soir d'On ne demande qu'à en rire. Profitez-en et notez-le, on fera la même chose à la fin. Florent Père. Bon, mon poussin d'amour, où tu vas? Me viens faire un bisou à maman. Viens faire un bisou à maman. Brrr, qu'il est vilain. Allez, viens faire un bisou. Tiens-toi droit. Les épaules en arrière. Mets pas tes pieds en dedans. Mouche ton nez. Montre tes oreilles. L'autre, fais voir tes mains. Tes lacets sont faits. J'ai des bottes. Bon, mon petit chéri, viens là que je te fasse un bisou. Je ne vais pas te voir de toute la journée. Viens faire un bisou à maman. Mouah. Et ça l'autre joue. Mouah. Et de partout, partout. Mouah. Et la bouche. On n'a pas fait la bouche. Ça va, c'est bon, je peux y aller? Hop, 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 hop. Mais je n'ai pas fini, mon lapin. Mais arrête de m'appeler mon lapin, c'est la honte. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tiens-toi droit, les épaules en arrière, mets pas tes pieds en dedans, mouche ton nez, montre tes oreilles, l'autre, fais voir tes mains, tes lacets sont faits. J'ai des bottes. Est-ce que tu as ton goûter? Oui, dans mon cartable, Bob l'éponge. Bon, ça va, c'est bon, je peux y aller. Hop, 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 mon lapin. Viens voir. Arrête de m'appeler mon lapin. Tiens-toi droit. Les épaules en arrière.
Tes oreilles. Fais voir tes mains. Est-ce que tu as ton téléphone? Oui! Fais voir. Et il y a le numéro de maman dedans? Oui! À quel nom tu l'as enregistré? Maman d'amour que j'aime! C'est bien. Et si jamais tu perds ton téléphone? Je l'ai dans la tête! Et si jamais tu perds ta tête? Ça va, c'est bon, je peux y aller! Écoute, maman, ça commence à bien faire, je suis assez grand, il y en a marre maintenant, hein! Tiens-toi droit. Arrête de me donner des ordres! Mouche ton nez. J'en ai marre que tu viennes m'amener à l'école, j'ai plus besoin de ça! J'ai plus besoin de ça, je t'ai dit! Tes mains. Tiens! Voilà! Je veux plus que mes copains me voient, tu comprends? Tu m'aimes? Mais oui, je t'aime. Mais tu m'aimes comment? Comme ça. C'est tout? Non, mais je t'aime comme ça. C'est pas beaucoup. Je t'aime. De là, hein, jusqu'à... Salut, Paul. Jusqu'à là, c'est bien quand même, maman, non? Hein? Mais maintenant, il faut y aller parce que... Mais arrête de pleurer, maman. Mais me dis pas adieu, on se revoit à 18h. Mais maintenant, il faut que j'aille, je vais être en retard, ça va sonner à un moment. Donc, tu peux me laisser partir, maman. Voilà, ça sonne. Alors, il faut que j'aille, maman, tu comprends? Voilà. Je t'aime, maman. Alors, bande de lopèdes, vous croyez que c'est comme ça que vous allez sortir de l'école militaire? Garde à vous! Toi là-bas, rendez-le avec les autres! Toi aussi, garde à vous! Alors, vous l'aimez comment, l'école militaire? Vous l'aimez comme ça? Ou vous l'aimez de là? Jusqu'à là! Le repère, je ne veux plus que maman m'accompagne à l'école. On a raconté à vous, Florent Père. Je suis bien d'accord avec vous. Quel bourrasque. Allez, 24. Nous y sommes. Qui dites-vous? Tombeau 28, tombeau 28, tombeau 24, tombeau 25, tombeau 26. Calmez-vous, on va y arriver. Tombeau 28. Monsieur Pougnard. Monsieur Pougnard. Tiens, le vent est tombé. Ce sera bien plus simple pour parler. Monsieur Pougnard, alors, joli tombeau, 4 mètres carrés, un petit coin de verdure, vu sur le Sacré-Cœur, partie ensoleillée, on se mouche pas du coude, monsieur Pougnard. Mais il serait peut-être temps de payer ses impôts. Je me présente, maître des nerfs, huissier de justice, et pas des moindres. Dans ma famille, nous sommes huissiers de père en fisc. Et je suis... Et je suis venu avec mon collaborateur, maître Corbeau, qui vous emmerde. Monsieur Pougnard, cessez de faire le mort, nous savons que vous êtes ici. Même maintenant, nous sommes déjà fait escroquer par monsieur Frosson, qui a eu la bonne idée de se faire incinérer alors qu'il nous devait 30 000 euros et des poussières. Il y en a marre, des gens qui font partir l'argent fumé. Monsieur... Bien. Monsieur Pougnard, je vous rappelle pour la dernière fois, enfin,
pour la 27e dernière fois. Nous vous avons prévenu. Nous vous avons envoyé des avertissements. Un avertissement gentil, un avertissement gentil mais ferme, un avertissement méchant, un avertissement très très méchant qui fait très très peur, un dernier avertissement avant pan pan cucu, un ultime avertissement avant la sommation finale, haut les mains, en joue, feu. Et c'est là que vous nous avez devancé, monsieur Pougnard. C'est terrible. Monsieur Pougnard, je vous informe que la trésorerie de Paris m'a chargé de procéder au recouvrement de l'amende pour une somme de 34,42 €. En application de l'article 124-B de la loi 2004 et de l'arrêté 124 du mois de mars 99, un jeudi à 14h14, c'était une très belle journée ensoleillée, 24 degrés Celsius à l'ombre, 25 au soleil, c'était un jeudi après-midi, je portais des chaussettes grises alors que d'habitude j'en porte des vertes. Et depuis, nous n'avons pas de nouvelles de vous. Qu'on lui laisse le bénéfice du doute ? Jamais. Les bénéfices, je les prends. Les bénéfices, c'est pour moi. Les bénéfices, bénéfisque, fisque, fisque, fisque. Monsieur Pougnard, vous comprendrez que votre dette va être augmentée de quelques frais de procédure, comprenant mon déplacement et celui de Maître Corbeau. Quoi ? Qui vous emmerde. Je vous rappelle que le fisc vous a fixé par fax une taxe fixe sans déduction de cette somme exacte, en sus de cette dette défiscalisée par ce fiscaliste ex-dyslexique, extrêmement excentrique, mais excellemment explicite. Dixit, c'est 18 huissiers de justice. C'est exact. Je viens donc, par la présente, vous signifier un dernier avis avant expulsion. Alors, que fait-on ? Très bien, je vais donc procéder à la procédure. La saisie de vos biens. Alors, un chrysanthème en plastique, une jardinière de très mauvais goût, un nain de jardin, deux chiens en céramique, ça sent la niche fiscale. L'immobilisation de votre tombe et une pose de sabot. Oui, monsieur Pougnard, nous allons dépouiller votre dépouille. C'est ce qu'on appelle un fisc fucking. Et sachez, monsieur Pougnard, que même mort, nous vous poursuivrons, nous vous dépouillerons, nous vous pourchasserons partout, jusqu'au paradis. Fiscal. Et on va vivre ce moment à l'intérieur d'une Formule 1 avec un champion du monde grâce à Florent Père. À vos téléphones. Oui, allô, Moustique 007, j'écoute. Oui ? Oui, monsieur McLaren, oui. Oui, attendez, je passe en main libre parce que sinon je tourne en rond. Oui. Oui, monsieur McLaren. Oui, je suis sur zone, là. Oui, je suis sur la piste du Grand Prix, là. Oui. Ouais, Vettel est en pole position, il est très très fort. Hein. Oui. Mais bien sûr, monsieur McLaren, on a fait comme vous avez dit, on a commencé la mission hier soir, avec toute l'escadrille. On est allé chez tous les pilotes, dans les autres écuries, et on les a empêchés de dormir. On a bien bossé, ouais. Je peux vous dire qu'on a bien fait chier Lotus. Je peux vous dire que Jason Button est plein de button et que Alonso va rester Alonso. Ouais. Ouais, on est des professionnels, hein, bien sûr. On a tous été entraînés au camp d'entraînement du camping de Palavas-les-Flots en Camargue. Alors je peux vous dire qu'en termes d'emmerdeur, on est prêts. Ouais. Ouais. Mais bien sûr, le titre de champion du monde est pour vous, monsieur McLaren. Ouais. Mais si, ça va marcher, oh là là. Je peux vous dire que les moustiques, c'est assez rare qu'on n'ait pas de veine. Ok ? Ok. Ok, je vous laisse, le tour de choc va commencer. Ça marche, je vous laisse. Ça me fait mal, yo !
À toutes les unités, ici Moustique 007. Je suis collé sur la visière de Vettel, là. Ouais. Ok. Ok, c'est bon. Salut Patrick, ça va? Ok, ça marche, content de te voir. Salut Eric, toujours à l'heure, ça fait plaisir. Yannick, super. Manque plus que Malik. Qu'est-ce qu'il fout, Malik, qu'est-ce qu'il fout? Mais si, il va arriver, c'est un professionnel, attends. Mais les champions du monde, il en a l'habitude. Il était sur un grand prix de moto la semaine dernière, collé sur les dents de Valentino Rossi. Alors je peux te dire que c'est un mec, c'est un professionnel, ça, bien sûr. Et j'ai une nouvelle recrue à vous présenter. Dominique. Un moustique capable de voler pendant des heures sans être fatigué. Ouais. En 98, il a piqué Richard Virenque. Le mec, attention, hein, il a des séquelles encore, hein, je vous le dis. Ouais. Par contre, on a perdu des effectifs. Cédric est en pleine dépression nerveuse. Ouais. Bah, il y a un mois, il a piqué Alain Bernard sur son tatouage. Bah, depuis, il se fait un sang d'encre. Hein. Bah, qu'est-ce que vous voulez, le mec? Ah bah évidemment. Et alors monsieur Emmerich n'a pas voulu. Non, il n'est pas venu. Il est resté dans le nord à piquer du maroilles chez lui. Là. Bah c'est ça, c'est un moustique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, évidemment? Mais si, j'ai insisté, je me suis énervé, mais lui il a pris une colère, vous savez, comme il est coléreux. Ouais bah moi un moustique qui prend la mouche, non merci, hein, ça va. Ah, Dominique, même pas essoufflé, ça va? Ok. Bon, qu'est-ce qu'il fout, Malik, là? Putain, allez, le tour de chauffe est presque fini. Pourvu qu'il soit pas en train de s'engueuler avec sa femelle. Putain. Mais cette Clara, là, qui passe toutes ses nuits à pomper tout le monde, putain! Ah, te voilà, Malik! On se faisait un sang d'encre, t'es malade ou quoi? On se faisait vraiment du mauvais sang. Bon, ça va, t'as la pêche? Enfin, je veux dire, t'as l'orange sanguine? Ok, c'est bon. Alors, je vous explique notre mission à tous. On doit faire perdre Vettel, c'est Monsieur McLaren qui l'a demandé. Ok? Bon, quand la course commence, on rentre dans le casque et on fout le bordel. C'est clair pour tout le monde? On rentre, on le pique, on boit son sang et on l'élimine. Vettel, buvez, éliminé. C'est clair pour tout le monde? Ok. Ça marche? Ok, ça marche. Écoute, Malik, t'attaques le nez. Dominique, t'attaques les oreilles. Tu fais gaffe, il y a des boules caisses. Si tu restes planté, on pourra pas venir te chercher, ok? Et moi, j'attaque la carotide. Parce que j'ai envie de boire un coup et puis c'est tout. Ok? Ok, ça marche. Et on pense tous à notre devise. Un pour tous et tous pour un, comme les trois moustiquaires. C'est bon pour tout le monde? Ok. Allez, allez, on y va, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Ok, go, 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 go! Ça, vas-y, rentre, 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 ferme, ferme! Clac, allez, attaque, attaque, on attaque! Allez, 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 allez! Allô, monsieur McLaren? Ouais, ici Moustique 007. Mission accomplie. On m'appelle Pompe. James Pompe. Bon, les copains, on va aller fêter ça? J'ai réservé une table dans le camion du don du sang. Il y a une poche de haut plus qui nous attend, on va se régaler, ok? Et puis je fais un concert, ouais. Je joue avec mon groupe sanguin, ok? Allez, on est tous partis. Le dernier au bar avec une tapette. Grâce à Florent Père, à vous de le noter aussi. Vous comparerez vos notes. Oh, happy fun! Oh, happy fun! Oh, happy fun! Oh, happy fun! Le Blackberry! Et le Sony! Motorola! Et le Nokia! Panasonic! Et le Philips! Sans oublier le LG! Faut tout jeter! Faut tout acheter! Faut tout jeter! Non, ça va pas. Ça va pas, vous avez pas la bonne tonalité. Alors on parle de téléphone, hein, il faut avoir une bonne tonalité, sinon ça va pas. Hein. Écoutez-moi, écoutez-moi. La la! Merde! La 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 la! La la! Merde! La la! La 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 la. Il faut bénir
Bénédiction et de la moutarde Benedicta. Mes frères, mes sœurs, mes brebis, mes boucs, mes e-books, mes iPads, mes iPods, mes apôtres. Bienvenue dans la chapelle de la mer. Ouais. Tous les téléphones vont sonner. Oh, ils vont sonner. C'est le miracle de l'année. C'est le miracle de l'année. Et la chorale va chanter. Allô, allô, alléluia l'amour. Alléluia, et puis ça va toujours. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, si nous sommes tous réunis dans cette chapelle... De la reine. Oui. D'ailleurs, quel plaisir pour moi de voir enfin rempli cette chapelle. De la reine. Voilà. Si nous sommes là, c'est pour bénir les portables. Mais qui va bénir les portables dans cette chapelle? De la reine. Ah, ça suffit maintenant, hein. Allez, Harlem, ça va, hein. Qui c'est qui va bénir? C'est toi? C'est lui, non, c'est moi qui va bénir. Alors, ça commence à bien faire. C'est vrai, on peut se demander qui va bénir. Moi, je me demande qui va bénir. Est-ce que c'est moi? Bénis-je? Bénis-tu? Bénis-il? Mes frères! Oui! Mes sœurs! Oui! Ah oui, quand même. Ça ne peut plus durer. Oh non! Oh non! Il y a plus de fidèles chez SFR qu'à l'église. C'est pas normal. Oh non, non, non. Ils ont voulu me faire signer et moi j'ai dit non, non, non. Un engagement de 150 mois, moi j'ai dit non, non, non. Mes frères, il ne faut plus vous laisser faire par SFR. Non, non, non. Mes amis, je ne veux plus qu'Orange vous dérange. Non, non, non. Mes frères, mes sœurs, il ne faut plus que Bouygues Télécom prenne sa com. Non, non. Tous avec moi. Non, non, non. Chantez avec moi. Non, non, non. Bah si, chantez avec moi. Non, non, non. Ça vous fait pas plaisir de chanter avec moi? Non, non, non. Je suis quand même un super chanteur. Non, non, non. Vous voulez pas être payé alors? Non, non, non. Très bien. Non. Nya, nya. Mes frères, mes sœurs, si nous bénissons les portables, c'est au nom de Dieu. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Pour les purifier des SMS. Oui. Des MMS. Oui. Des MNMs. Oui. Des MST. Des MST. Des MST. Et n'oubliez pas, comme il est dit dans la Genèse, in texto veritas. Mes frères, mes sœurs, les anges sont les portables de Dieu. Oui. Dieu nous écoute. Oui. Dieu est oreille. Oui. Dieu est Bluetooth. Oui. Et vous savez tous, comme moi. Oui. Vous savez même pas ce que je vais dire. Non. Vous savez que si Dieu est amour, alors le GSM. Le GSM. Le GSM. Seigneur, faites que nos portables fonctionnent sur la terre comme au ciel. Protégez-nous des interférences et des tunnels. Faites que le portable propage l'amour, la joie et aide la justice. Et surtout qu'il résiste à l'eau. Ça, c'était peut-être pas la peine. Et pour vous prouver que cette bénédiction a fonctionné, je vais téléphoner à Dieu. Oh, c'est possible. Mais comment va-t-il faire? J'ai sa ligne personnelle. Ça sonne. Ça ressonne. Ça sonne encore. Ah, ça sonne pas mal, d'ailleurs. Ouais.
salut, c'est Dieu. Je ne peux pas vous répondre. Pour le moment, je suis en train de bénir mon compte Facebook. Ah, au fait, Florent, j'adore ce que tu fais. Allez, salut. Seigneur ? Seigneur, c'est les BCBG et Florent Père. Écoutez, ça fait quelque chose d'être sur votre messagerie. Si je m'étais dit ce matin que j'allais être sur la messagerie de Dieu, parce que c'est vrai, on se dit, tiens, si je téléphone à Dieu, qu'est-ce que je lui dirais? J'aurais plein de choses à lui dire, et puis là, je me rends compte que finalement, je suis sur votre messagerie, et puis j'ai rien à vous dire. Et en même temps, je me rends compte que je suis en train de pourrir votre messagerie, alors je me dis, non, tu n'es qu'une brebis égarée. Non. Écoutez, Seigneur, puisque vous n'êtes pas là, on n'a qu'à faire, comme dit votre nouveau colocataire Steve Jobs, on s'appelle. J'ai fait une blague à Dieu. Moi je fais des blagues à Dieu. Je fais des blagues à Dieu. Moi j'appelle parce qu'Apple, par rapport à Apple, la pomme, on s'appelle quand je veux. Hein, on s'appelle. Apple. Alléluia. Motorola. Motorola. Sans oublier le LG. Faut tout jeter. Faut tout acheter. Faut tout jeter. Florent Père, aidé par les BCBG et les D'accord. symphoniques, qu'on peut applaudir de chorale. Là. Que vous retrouverez là. Florent Père. Thank you.
adoré, je n'entre sans qu'importe, je n'entre si t'avore, je la tout la qui la toi. Make you laugh without saying a word. Uh-huh. People have to yell nowadays to get heard. But Charlie was a friend and then the times. Des cosmétiques pour enfants. C'est le sujet qu'on a imposé à Florent Père. Évidemment, je sais bien ce que vous êtes en train de vous demander. Est-ce que c'est le vrai Karl Lagerfeld? C'est toujours ce qu'on demande. Évidemment, on me demande toujours est-ce que je suis le vrai Karl Lagerfeld. Quand on me voit comme ça, on dit est-ce que c'est le vrai Karl Lagerfeld? On ne sait pas si c'est le vrai Karl Lagerfeld, évidemment. Moi-même, quand je me lève le matin, je me regarde dans la glace, je fais ah, évidemment, puisque c'est moi. Alors, vous me demanderez pourquoi le grand Karl Lagerfeld s'intéresse aux cosmétiques chez les enfants. Je vous répondrai que c'est une grande source d'inspiration et de revenus, bien évidemment. Même chez les tout petits, il n'y a pas de petits profits. Les enfants, les adultes sont des grands enfants, les enfants sont des petits adultes. Ce serait absurde, grotesque, vulgaire de ne pas profiter de cette occasion, évidemment. Moi-même, Karl Lagerfeld, j'achète mes produits Karl Lagerfeld, mais je les achète plus cher que les autres. Je n'aime pas les promotions, les soldes, c'est vulgaire. Personne ne peut dire quel âge a Karl Lagerfeld. Quel âge a Karl Lagerfeld, on ne sait pas, 50, 60, 150, 200. Karl Lagerfeld est parfaitement intemporel, sinon ce serait grotesque. Je chausse, vous savez, du 44. Mais je porte du 36. Toute la journée, mes orteils sont en colère. Mais j'ai une très belle tenue de corps et des oignons superbes. Et j'ai de l'allure. Et ça, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Qu'est-ce que ça veut dire d'arriver le jour de sa naissance tout fripé? Je crée le spray des Froze Baby. Un spray à base d'amidon qui te lisse en un instant. Avec des Froze Baby, fini les faux plis. Je vous conseille aussi le spray Karl Deuser, qui élimine les taches de naissance au premier lavage. Que les mémés veuillent avoir des peaux de bébés, c'est normal. Que les bébés sortent avec des peaux de mémés, c'est absurde, grotesque, vulgaire. J'ai l'esprit de mon époque et je suis très d'accord avec ce que je viens de dire. Il faut leur apprendre la discipline dès le plus jeune âge. Et s'ils ne sont pas contents, boum, dans ta gueule. C'est ce qu'on appelle le baby boom. Et surtout, ne vous inquiétez pas, vous pouvez leur donner des grandes claques autant que vous voulez grâce à mon sérum Pampan Cucu. J'unifie les rougeurs. Les joues sont fermes, les fesses sont fermes, tu fermes ta gueule. Je suis très d'accord avec ce que je viens de dire encore une fois. Vous savez, nous sommes dans une époque où tout va très vite, ça va très vite, il faut parler très vite, il faut créer très vite. Moi-même, je parle très vite parce que je pense très vite, je parle très vite parce que je crée très vite, je crée très vite parce qu'évidemment, tout le monde se dit pourquoi il pense très vite, parce que je crée très vite tout simplement. Alors les gens ils ont du mal à suivre ce que je dis parce qu'évidemment, moi je parle beaucoup et très très rapidement. Alors les gens disent pourquoi il parle aussi vite, alors évidemment, ils parlent aussi vite, évidemment, ils parlent aussi vite, évidemment, je peux faire. Qu'est-ce que je disais? Vous savez, nous sommes dans une époque où tout va très vite. Les enfants n'ont plus le temps d'attendre d'avoir 6 mois pour avoir les premières dents. Je crée Croque la vie. Un gel à base d'acide éthylène, tétracétique, de parabènes, de bisphénol et de phénoxysénol, Bechdel. Et je dis ce que je veux et ce que je veux surtout, parce que je n'arrive plus à dire tous ces mots. Évidemment, j'embrouille, je m'embrouille et je m'en fous. Oui. Mais ce serait absurde de dire que cette crème n'est pas dangereuse pour la santé. Mais on s'en fout complètement, ce n'est pas encore contrôlé. Croque la vie est d'une efficacité rare. Elle te fait pousser 32 dents en 9 heures. Ainsi, vous n'aurez plus à rougir de vos photos d'enfance vulgaires avec des sourires sans dents. Évidemment, petite maman, pendant l'allaitement, il faudra faire attention à tes tétons. Je déteste, si tu veux, évidemment. J'aime beaucoup ce que vous faites. Je suis très d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Je suis très d'accord avec ce que vous venez de faire. J'aime beaucoup ce que je dis. Vous savez, je déteste les enfants. Ils dégagent une odeur de mauvais qui sent le pipi. Je crée le parfum Caca Cadom de Karl Lagerfeld, qu'on peut utiliser de 2 à 6 ans. Pour les mêmes raisons, Caca Cadom est utilisable chez les seniors de 80 ans jusqu'à la mort. Vous savez,
Vous savez, évidemment, j'ai plein de choses à vous dire. Je suis là pour un quart d'heure, vous ne le savez pas, mais on sera encore là demain matin. Que j'ai encore plein de choses à vous raconter. Mais les enfants respirent plus que les adultes avec une peau beaucoup plus fine. Donc, a fortiori, plus perméable. Jouvence de Karl Lagerfeld est un spray, un vaporisateur bio à base de Botox. Tu vaporises, tu stabilises. Pour une petite broutille de 3 400 €. Qui a dit la mode à petit prix? Je veux dire, c'est vulgaire. Quelle vulgarité. La mode, la mouvance, la tendance pour les tout-petits n'a pas de prix. Vous êtes prêts à débourser n'importe quoi pour votre progéniture. Et ça, ça augmente mes factures. Évidemment, les cosmétiques ont conquis les hommes, ont conquis les femmes, ont conquis les enfants, ont conquis les bébés. Mais pourquoi s'arrêter là? C'est vulgaire, il ne faut pas être sectaire, ça n'a pas de caractère. Bonjour à ma mère. Je vais maintenant m'attaquer à l'esthétique du chat. Je veux rendre le chat beau grâce à mon... Le retour en France des rugbymen. Qu'est-ce que ça peut donner, ce sujet qu'on a imposé à Florent Père? On va le savoir maintenant. Oh, dis donc, voilà. Ah, ben voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà mon stade français qui est arrivé. Ben, je suis bien content, ça, mais. Je suis bien content. Ça va bien? Oui. Ah. Comment vous allez, monsieur Rabadan? Monsieur Briette, qui va bien? Bonjour, monsieur Flancard, comment va-t-il? Monsieur Poulain, qui est là? Voilà. Eh ben, écoutez, je suis bien content que vous soyez ici, moi, tiens. Bien content de vous accueillir dans ma petite maison de campagne, moi. Je suis bien content que vous soyez là. Calme-toi. Mais écoutez, c'est pas parce qu'on est président de la République qu'on n'a pas le droit d'avoir un petit peu d'humour. Hein? Bon, écoutez, je suis bien content que vous soyez ici. Et ma femme aussi, elle vous adore. Hein? Ma femme Carla. Oh, c'est lourd. Qui c'est qui a dit ça? C'est le grand. Qui c'est qui a dit ça? C'est toi qui a dit ça? Hein? Eh bien, descends un petit peu pour voir. Hein? Tu crois que tu me fais peur? Tu crois que tu me fais peur? Tu me fais un petit peu peur quand même. J'ai pas entendu quelque chose qui couine? On dirait une porte qui grince, hein? Ah non, 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 attends pour moi. C'est ma femme qui chante. Ah oui. Qui doit donner ça? Je vous présente ma femme Carla, hein, et mon petit bébé Julia. Regardez comme elle est jolie. Elle a la tête de sa maman, le corps de son papa. Elle va faire des ravages. Hein? Regardez. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça ne va pas faire que ça. Monsieur Carla, ne touche pas ce gros monsieur, il va te faire du mal. Ah, bonjour les gros bébés, qu'est-ce qu'ils sont fragiles? Fais voir. Là, c'était juste pour savoir si tout allait bien. C'est pas qu'elle est cette fois qu'on a un petit peu de somatique et de somatique. C'était aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai un agenda de ministre, alors pour un président de la République, c'est compliqué, tu comprends? Ah, ne crie pas, hein. Laissez bien faire. Y a quelqu'un qui manque, tu commandes que je t'en prie. Je t'ai dit de scène de ménage devant les invités. Y a quelqu'un qui manque. File dans ta chambre, va faire une chanson, fais ce que tu veux, mais fous-moi la paix. Y a quelqu'un qui manque, qui n'est pas que ça. Oui, ça va, ça va. Ne vous inquiétez pas, M. Sarkozy, on va vous la garder, votre petite, nous. Parce que vous avez compris qu'est-ce qu'a dit ma femme? Évidemment. Ah, vous parlez le Carla Bruni, vous. Mais couramment. Ah bah, félicitations, dites donc. Ah bah, c'est sympa, les copains. Alors, venez, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Parce que... Qu'est-ce que vous êtes en train de... Ah, non, 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 mais attendez, vous êtes... Écoutez, alors, je ne servirai jamais de ballon, je vous le dis de suite. Hein. De toute façon, je vais vous dire, c'est pas compliqué. Je suis président, j'irai jamais au ballon parce que j'ai l'immunité. Alors, ça, vous pouvez... Ah ben, voilà.
Voilà. Et ben ma fille, vous la prenez comme ça, tranquillement, et puis vous la bercez gentiment, vous la bercez. Non mais pas comme ça. Non, non, non. Non mais gentiment, gentil, c'est gentil. Non, attendez, vous la bercez gentiment. Voilà. Là, ça c'est gentil, on est bien. Hein? Et puis vous lui chantez une petite berceuse. C'est une salon. Non, 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 non. Non, je me... Non, une petite berceuse, une chanson douce que me chantait ma... Non ! D'accord, ok, bon, alors écoutez, bon, vous laissez tomber pour la berceuse, venez voir. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Un bébé, c'est comme un ballon à qui on donne le biberon et à qui on change les couches, d'accord ? Mais il faut pas lui mettre des coups de pied dedans, vous avez compris ? Ouais. Bon, très bien. Alors, bon. On est bien, hein ? On est bien. Ça vous dérangerait de m'accompagner jusqu'à la fin du mandat, comme ça, discrètement ? Non, ça va. Ça non ? Problème, mais vous êtes vraiment sympas, les copains. Merci beaucoup. Tiens, ça commence, il y a déjà la gamine qui couine. Non, pas du tout. Ça, c'est ma femme qui fait ses vocalises. Ça n'a rien à voir. Ah tiens, dis donc, bah, là, voilà qui vient me passer le bébé. Tiens, voilà. Viens donc voir, Carla. Viens voir, viens voir. Viens. Attention. Attention, maman. Ben dites donc, si je pouvais rester aussi haut dans les sondages, ça m'arrangerait. Hein? C'est bon, les copains, merci. Merci, vous êtes bien gentils, merci, les copains. Carlita, écoute, qu'est-ce que tu es maladroite? Ça fait 4 fois que tu le fais tomber dans la journée, il faut faire attention maintenant. Ah non. Ok, attends, oui, oui, c'est ça. Va dans... Comment? Dis donc, c'est... Oui, oui. C'est pas que... Oui, va dans ta chambre, va t'entraîner à le faire tomber dans le lit. Bon. Bon, vous avez bien compris, les gars. Ouais. Faut prendre le bébé dans ses bras. Non. Le bercer sans le faire tomber. Hey. Et il faut être très gentil. Très, très gentil, gentil. Ouais. Faut le faire sauter sur ses genoux, sur ses genoux, sur ses genoux. Et faire un gros rototo. Merci. Merci. Florent Père, aidé par les rugbymen du Stade français.